Bonsoir tout le monde, c'est le youtubeur Zafil. Je fais cette vidéo parce que hier je suis tombé sur quelques commentaires qui m'ont un peu touché. Je propose qu'on les lise ensemble. Dans une de mes vidéos, on a mis en commentaire: ta barbe me frustre, je sais pas pourquoi. Un autre commentaire: what the fuck, c'est quoi ta barbe? Ensuite, ta barbe et trois petits points. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire après ces trois petits points et ça me blesse profondément. Avec ta barbe mal taillée, ta barbe mec, ta barbe c'est comme un gruyère, il y a des trous partout. Oh le bâtard, j'avais oublié. C'est bizarre. T'as une tête d'enfant, mais y'a une barbe et une voix muée. Je suis troublé. Bon, c'était il y a un an ça, mais même, je suis blessé. Beaucoup de personnes me jugent tous les jours à cause de ma barbe. Donc oui, elle n'est pas parfaite, mais moi je l'aime bien, que c'est ma barbe. Petite story time, quand j'étais au lycée, je faisais tout pour avoir une barbe. Je cherchais vraiment sur Google comment avoir une barbe rapidement. Je suis vraiment en train de raconter ça. Non, en fait, j'avais juste une petite moustache d'enfant prépubère, tu vois. Et j'étais en mode, oh mais je veux de la barbe partout, genre le bouc, les joues et tout. Et du coup, bah je l'ai jamais eu au lycée, tu vois, mais je l'ai eu petit à petit après. Première année d'université, je ressemblais à ça. Deuxième année d'université, ça commençait à pousser. Pendant l'été, j'ai fait, oh bah dis donc, la barbe et tout. Et hop, et maintenant je suis arrivé à ça. Bon, là elle est un peu dégueulasse parce que en fait c'était un peu trop long sur les joues. Du coup, j'ai essayé de tailler, mais j'arrive pas à tailler. Du coup, bah j'ai dû. Voilà, c'est pas beau. Mais c'est pas un problème, ok? Pas besoin de juger les gens sur la barbe, ok? Moi, ma barbe, je la voulais depuis longtemps. Je l'ai eue et on me juge maintenant que j'ai une barbe. Voilà, je pète sur vos morts. Putain. Étant donné qu'il y a énormément de personnes qui me jugent quotidiennement à cause de ma barbe et que j'ai pas envie que ce jugement aille plus loin et j'ai pas envie de gêner les gens, je vais faire une décision très importante. Je vais faire un tuto pour avoir une barbe aussi soyeuse que celle de Zafil. Il faut la laisser pousser environ un mois, voire deux. Pour avoir ça. Bon, c'est pas très beau, mais je vous ai dit là, c'est parce que là j'ai des petits c'était mal taillé, ok? Arrêtez de me juger. Je vais attendre un mois, ok? Un mois pour que ça se voit. Et vous me jugez, putain, mais vous comprenez? Imagine, je la rase. Je dois attendre un mois. Un fucking mois. Ok? Donc, pour faire plaisir à tous mes internautes, je vais faire quelque chose que je ne voulais pas faire en fait, que j'ai pas envie de faire, mais que je vais le faire quand même, ok? Ça se voit pas encore. Oh là là, mais mec, oh, mais la touffe de poil. Oh non, je vais vraiment pleurer. Mais gros, j'ai même pas bronzé là. Oh là là, mais j'ai aucune gueule. J'ai aucune gueule, j'ai des poils partout, putain. Dégueulasse. Bon bah c'est parti hein. En plus je suis en train de me regarder dans le retour vidéo, sauf qu'il y a genre vraiment un mètre donc je vois rien. Putain, mais ça fait pas longtemps que je me suis pas rasé, moi je me rappelle pas comment c'est. J'ai plein de poils. Non mais c'est bon, j'ai plus de crédibilité. Ça me fait trop rire. Je sais. Oh, oh c'est tout doux. Je vais enlever ça tout. Oh, mais je suis trop mignon. Ah putain, j'avais oublié, j'ai un grain de beauté, j'avais oublié. Oh, ça fait super mal, je sais pas pourquoi. Oh, j'ai aucune gueule. Oh, mec, je me reconnais pas. Oh, je suis pas beau. Attendez, je reviens, je vais juste faire ça dans ma salle de bain. Et je vous retrouve quand tout est clean, ok? Ah, j'ai plein de poids dans la bouse. Bonjour tout le monde, j'ai 15 ans, wouhouhou. Pourquoi j'ai fait ça? C'est à cause de vous là, putain. Pourquoi ma... Est-ce que là ça vous frustre encore plus de me voir comme ça? J'ai même pas l'habitude, je suis obligé de me regarder dans le retour là. Oh, oh là là, mais je suis... Oh là là, oh, j'ai aucune gueule. Ben voilà, c'était la fin. Voilà, je peux... Oh, faut que j'arrête de regarder ce retour. En tout cas voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, en tout cas c'était Zafil en mode 15 ans, yo. J'espère que vous allez vous habituer à me voir comme ça, parce que voilà, hein, yes. Putain d'âme, c'est doux, je suis doux. Sur ce, je vous ordonne de profiter de la vie, et vous savez ce qui arrive, bisous.